Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va, nous sommes toujours le 8 mars, il est aux alentours maintenant de 18h et je viens vous refaire une petite vidéo haul. Ce sont des produits qui me viennent du magasin Action, que je n'ai pas trouvé dans mon Action mais que j'ai trouvé sur Vinted. Du coup, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes derniers achats. J'ai encore craqué, je les avais d'abord cherchés dans mon Action, mais je les ai jamais trouvés. Alors déjà le mois dernier, début février, normalement je les avais vus sur le site, mais malheureusement dans le mien, j'avais beau aller voir assez régulièrement, il n'y était jamais. Donc après, ça avait disparu du site Action. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être un produit qui n'aurait plus. Donc j'ai laissé tomber et au final, ils sont réapparus sur le site il n'y a pas longtemps. Je les ai trouvés sur Vinted à un prix très raisonnable, pardon. Du coup, j'en ai profité. Alors, c'est très bien emballé, hein. Je n'avais pas encore déballé parce que je voulais vraiment vous les montrer, découvrir avec vous. Alors, wow, ça, je pense que ça va être sympa à faire également, hein. Alors, ça, il s'agit de produits principalement enfants, hein. Je suis une grande enfant, vous le savez. Du coup, j'ai repris ce modèle-là que je n'avais pas. Donc ça, je vous avais déjà fait un haul. La dame me l'a fait à 1 euro pièce. Donc je sais qu'ils étaient en promo à 79 centimes à un moment donné. Mais ne les ayant pas trouvés, je me dis que 1 euro pièce. Et en plus, avec le lot, elle m'a fait un tarif sur le lot complet. Donc bon, ce modèle-là, je ne l'avais pas et je le trouve vraiment superbe. Donc je suis super contente. Il vient terminer, je pense, la collection. Il m'en manque encore un qui doit arriver d'ailleurs, par Vinted également. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour le premier. Et ensuite, c'est une autre collection. Ce sont des cadres sur châssis en 27 par 27 cm. Alors je pensais que c'était des diamants spéciaux, mais je vois que ce sont des diamants normaux. Mais c'est pas très grave, hein. Franchement, moi ça ne me dérange pas. Je les trouve super mignons. Donc il y a 4 modèles ici. Donc j'ai le modèle de la licorne, le modèle de l'alpaga, le modèle du renard. Donc je pense que je vais les modifier un tout petit peu. Je mettrai quelques petits AB par-ci par-là. Le renard, c'est juste super joli. Alors je pense pas les déballer maintenant parce que je ne vais pas les faire tout de suite. Et ici, on a le modèle du panda. Donc vraiment super mignon. C'est vraiment des petits modèles enfants, hein. Voilà, donc on a bien les diamants à l'intérieur avec le toolkit. Vous voyez, c'est sur châssis. Donc c'est vraiment... c'est du bois, hein. Donc c'est vraiment super sympa à réaliser. Bon, je vois que celui-là, il est un tout petit peu gondolé. Mais franchement, rien de méchant. Donc une fois fait, ça va être sympa. Je vais les mettre, je pense, dans la chambre de ma fille. Et puis... je trouve ça super super mignon. Donc ils sont à 1,99 sur le site de Action, donc en magasin 1,99. Donc au total, ça me faisait 8 euros plus celui-là normalement 9 euros. Et au final, la dame, il me semble qu'elle me les a fait au total à 8 euros le tout. Donc franchement, c'est raisonnable. Donc voilà pour ces 4 jolis modèles. Donc là, on a le renard. C'est vrai que je ne vais pas les déballer parce qu'après, sinon, les diamants, je ne peux pas trop les remettre à l'intérieur. Ça va être compliqué. Mais vous voyez, hein, le modèle. Le joli renard comme ça. Pareil, ouais, je pense que je mettrai des AB dans les yeux, par exemple. Pourquoi pas des AB blancs dans l'intérieur des oreilles. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et je pense que ça peut être sympa. Au niveau de l'alpaga, je peux essayer de faire des petites retouches, pardon, de AB rose là dans les lunettes cœur. Ça peut être sympa. Je vous montre un peu l'image. Hop, voilà. Donc voilà pour ça. Et pour la petite licorne. Donc voilà. Je voulais vous montrer un peu ça. Et je vais profiter qu'on est dans les produits Action pour vous montrer 2 petits DP que j'ai terminés il y a juste hier en fait. Donc très très récemment. Je vous mets en pause, je vais les chercher. Alors dans cette même collection que celui-ci, moi je vous avais déjà montré que j'avais effectué le joli dinosaure. Et hier, enfin oui, hier soir, pardon, j'ai effectué celui-ci. Donc le tigre.
Voilà. Et j'ai modifié, j'ai mis des AB, vous voyez, dans l'arc-en-ciel, par exemple, et dans la note de musique ici en bleu. Ici, pareil, c'est du AB. Là aussi. Là aussi. Donc moi, je les ai collés sur une feuille noire, hein, comme vous pouvez le voir. Et je les mets dans un gros classeur comme ceci. Donc voilà pour celui-ci. Trop mignon, franchement, j'adore. Et j'ai fait également la petite licorne comme ceci. J'y ai ajouté des AB également dans sa crinière. Donc le jaune, le bleu, le violet, les petits cœurs là, c'est pareil, c'est du AB. Et ici, pareil, j'ai fait des touches de AB. Je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà par exemple les deux petits modèles qu'il y a dans cette même collection. Je me suis vraiment amusée à les faire. C'était un réel plaisir à réaliser. Ça va tout seul. Ça va super vite hein, quand on est fatigué ou quoi le soir ou qu'on a envie de faire un petit projet qui soit vite terminé. On prend ça, on s'installe et franchement c'est du vite fait. C'est vraiment sympa. Moi je me suis amusée à personnaliser. C'était deux fois mieux. Donc voilà pour ça. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu mes derniers petits achats ainsi que mes derniers petits dépôts réalisés. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de reprendre les vidéos petit à petit selon mes envies. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie tous et tous pour les derniers commentaires que j'ai eus sur mes vidéos. Je suis vraiment ravie que ça vous plaît toujours autant. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter à tous et à tous une très belle soirée. Je vous souhaite de très jolis dépôts. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye!